ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler boîte aux lettres. Donc ça sera la boîte aux lettres du mois de mai. Donc mes petits achats, vêtements, un petit peu d'accessoires, un petit peu de chaussures, un peu de beauté, un petit peu de plein de trucs. Donc on va commencer peut-être par tout ce qui est achat beauté. Donc je suis passée chez Kiko et j'ai trouvé, je voulais aller voir en fait dans la nouvelle collection, vous savez les gros crayons qui sont en jumbo, qui sont pour les lèvres et qui peuvent aussi servir de blush. Donc moi j'ai pris le numéro 05, c'est le Unique Camellia. Donc la boîte se présente comme ceci. Et à l'intérieur vous aviez le must, un taille crayon pour les jumbo, ça c'est génial. Et le jumbo qui se présente comme ceci, qui a un vieux rose très joli. Donc vous voyez la taille du crayon. Alors il a une très bonne tenue, il assèche pas les lèvres, il est super confortable à utiliser. Donc je pense que si le 24 juin, puisqu'il va y avoir les soldes, et si ces petites choses là sont soldées, je pense que j'en achèterai d'autres. Donc comme d'habitude, je vous remettrai les prix par-ci, par-là. Ensuite, j'ai pris un exfoliant pour les lèvres qui est le Lip Scrub, comme ceci. Alors, il est où cette petite chose-là? Il est là. Donc, il se présente comme ceci, c'est tout mignon. Donc ça, c'est pareil, je l'ai déjà essayé, c'est super agréable. Donc en fait, c'est comme un bâton rouge à lèvres. Vous passez comme ça sur les lèvres et en fait, ça enlève toutes les petites peaux. Et c'est vrai que vous avez vraiment les lèvres super douce après. Donc moi en général j'essaye de le faire à peu près une fois par semaine. J'avais des petites choses sur ma wishlist ce mois-ci qui venait de chez Sephora. Donc j'ai tout d'abord pris un coffret dans la nouvelle collection qui est pour l'été là en partenariat avec Craig et Carl. Donc c'était un coffret comme ça pour le bain. C'était superbement emballé dans un papier cristal et c'est dans une petite truc plexiglas que je vais pouvoir récupérer. Donc à l'intérieur, vous aviez donc un lécor à la fleur de coton. Donc cela, j'ai encore rien essayé hein, par contre. À la fleur de coton, parce que comme j'ai d'autres choses à finir pour l'instant, mais comme c'est des éditions limitées, il n'y en aura pas longtemps. Ensuite, il y a une crème de douche au monoeil, donc ça, ça va être idéal pour l'été, ça va être tip top. Ensuite, il y a une boule de crème lavande pour les mains. C'est vraiment joli le packaging. Et ensuite, il y a un gel douche, c'est un bain moussant qui est à la pivoine. Mais peut-être que je l'utiliserai aussi en gel douche. Je ne sais pas, voir si on peut l'utiliser en gel douche, pourquoi pas. Et en complément, donc j'ai pris la crème pour les mains qui est à la pivoine également dans la même gamme. Donc j'ai hâte de tester toutes ces petites choses-là. Et la petite baignoire, là, Sephora, c'est bien pratique. Pour re-ranger plein de petites choses par la suite. Donc c'est bien pratique. Donc tous les ans Sephora ils sortent un bronzer. Donc cette année il est assez gros. Il se présente comme ceci. C'est le Sundisk en édition limitée. Donc depuis que je l'ai, je ne le lâche plus. Il est vraiment super. Donc il se présente comme ça avec un grand miroir. Et vous avez fait un effet zébré. Donc vous avez un bronzer qui est là. Moi je mélange les deux en fait pour faire le bronzer. Et un blush, là, une poudre, mais il est vraiment magnifique. Là, il y en a pour toute une vie. Il y a quand même 30 grammes. Donc, vous avez vu la taille par rapport à ma main. Donc, ça, j'en suis ravie. Donc, en make-up, on va avoir fait le tour. Après, on va passer aux accessoires. Donc, je suis allée chez Babou. Parce que je recherchais toujours un grand tapis pour mettre dans mon bureau en bas. Et finalement, donc j'ai trouvé mon grand tapis. Et il y avait des petites promos, en fait c'était de acheter le deuxième de la même gamme à moins 70%, enfin quelque chose comme ça. Donc je me suis pris des petits chouchous comme ceci pour mettre dans les cheveux. Il y en a un qui est turquoise et l'autre qui est saumonné, donc les couleurs parfaites pour le printemps. J'ai pris également un lot de bracelets, puis pareil dans les mêmes teintes orangées, saumonné, qui est très joli. Voilà, ils font vraiment très joli au poignet. Donc c'est vraiment très frais, très printanier, très été. Donc ça, pouvoir le porter soit tous ensemble, soit vraiment les couleurs
qui me font envie par rapport à la tenue, par exemple du doré avec que du bleu, par exemple on peut mettre comme ça que du doré avec du bleu, ça peut être pas mal. Donc toujours à Babou, je me suis pris dans rayon bougie des Yankee Candle, je dirais. Vous voyez la forme du pot, c'est quand même pas loin. Donc j'en avais déjà pris une aux fruits tropicaux, il me semble, et elle sentait divinement bon, elle embaumait très très bien mon salon. Donc j'ai voulu changer un petit peu pour voir ce que valaient les autres parfums. Donc celle-ci, elle est au Juicy Black Cherry, donc elle se présente comme ça, c'est celle qui a la cerise noire. Alors elle embaume très très bien, donc je l'ai fait brûler quasiment toute l'après-midi, samedi après-midi quand j'étais en train de faire donc mon rangement chaussures. Et elle a été un petit peu longue à embaumer, mais une fois qu'elle était bien chaude et bien fondue, ça a embaumé quand même relativement bien la pièce. Donc pour le prix, ils sont vraiment à un tout petit prix. Donc je pense que quand je vais retourner à Babou, je me reprendrai peut-être un autre parfum. Ensuite, toujours chez Babou, donc toujours au rayon bougie, j'ai voulu tester les petits carrés de cire, parce que j'ai vu qu'ils faisaient des petits carrés de cire à mettre dans les brûleurs. Donc ils se présentent comme ceci, donc vous voyez, 1 euro, hein, c'est... Donc j'ai pris à la pêche de vigne. Donc ça sent très bon à travers le plastique. Et j'ai pris le fruit rouge qui sent un petit peu moins. Donc le fruit rouge et la pêche de vigne. Donc ça, je vous en redirai des nouvelles, savoir si elles sont bien. Parce que pour 1 euro, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 carrés. Donc je pense qu'il faut au moins mettre 2 ou 3 carrés pour que ça sente quand même. Et pour finir, donc chez Babou, j'avais pris aussi ce petit accessoire qui est un élastique avec un nœud en plastique. Comme ceci. Alors on a fait le tour avec Babou, donc on va passer aux petites choses que j'ai achetées lors de la foire de Paris. C'est avec mon mari, nous sommes allés à la foire de Paris et je voulais aller au fait au stand bien-être, beauté et bien-être, et en fait on a tellement été déçus par le comportement des vendeurs qu'on n'a rien acheté. On pouvait rien regarder, on nous sautait dessus sans arrêt, donc franchement non. Donc, au rayon beauté, je n'ai juste acheté que ces petites choses-là, qui sont des tatous dorés, qui vont être tip-top pour cet été. Donc, il y en a un avec des plumes. Donc, vous pouvez faire des bracelets avec cela, et puis des plumes là sur la cheville. Il y en a un avec des libellules et des papillons et des étoiles, puisque j'adore les papillons, les étoiles et les libellules. Et puis, mon mari m'a fait un joli cadeau. Il m'a offert ce collier-ci qui est magnifique, qui est en pâte polymère. Donc c'est une créatrice qui ne vend que sur les foires et les salons. Je vous mettrai sa page Facebook en barre d'infos. Et donc il m'a pris la bague qui allait avec, qui se présente comme ceci. Il y a un travail magnifique de fait sur cette petite chose. C'est vraiment de toute beauté, ça fait de plus bel effet. Et il est donc turquoise, bleu électrique, il est noir, il y a du marron également. Et c'est vrai que porter, bon là je suis l'autre collier, mais porter au niveau du cou, il fait vraiment du très très bel effet. Donc voilà pour la foire de Paris. On va passer aussi à une commande que j'ai reçue du site Merci Madame. Donc je l'ai postée sur Instagram cette photo, je suis ravie de cette petite chose là. C'est une bague qui est très très fine. Donc je vous mettrai également juste ici un petit code pour avoir la livraison gratuite sur le site de Merci Madame. Donc c'est une bague qui se présente comme ceci, qui est un rond avec des petits strass comme ça. Donc je vais vous la passer, vous puissiez voir ce que ça donne. Mais je la porte très très souvent, j'aime beaucoup cette bague, c'est vraiment quelque chose de très fin. Et j'aime aussi bien en fait les... Voilà, j'aime aussi bien les bijoux fins que les bijoux assez imposants. Donc je l'aime beaucoup 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 beaucoup. Et depuis que je l'ai acheté, je la porte très souvent et voilà. Donc je suis ravie, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos du site également. Ensuite, on va passer à tout ce qui est mode. Donc, j'ai acheté 3 paires de chaussures ce mois-ci. Donc, j'ai pris celles-ci qui viennent de chez Auchan. Donc, c'est un bleu-violet qui sont un petit peu en daim. Et à l'intérieur, vous avez du turquoise. Elles sont fermées par une bride comme ceci et elles sont en talons compensés. Et j'ai pris les mêmes donc en rose et avec l'intérieur violet. Donc, ça, vous allez me dire le prix, 12 euros.
Donc j'ai pas hésité très longtemps. Donc faut que je les fasse un petit peu parce qu'elles me font un petit peu mal en fait au niveau d'ici. Donc je pense qu'elles vont faire un petit séjour au congélateur avec un sac rempli d'eau pour les agrandir un petit chouille. Et ensuite j'ai craqué pour une paire chez la Halle aux chaussures. Donc c'est une paire by la Halle en fait qui est en cuir qui se présente comme ceci. Donc elle était indisponible en deux coloris. Donc je me demande même si je ne vais pas me la reprendre en une autre couleur. Le talon n'est pas très très haut, mais alors elles font un très très joli pied et vraiment très très sympathique. Elles sont très très jolies. Donc par contre, je les ai payées un petit peu cher. Je les ai payées 39 euros, il me semble. Enfin, je vous remettrai les prix de toute façon. Mais comme c'est du cuir, je me dis qu'elles vont me garder un petit bout de temps. Un bon bout de temps même, je dirais. Donc ensuite, on va passer toujours dans les vêtements. On va rester dans la mode. Je me suis trouvé cette tunique un petit peu qui fait un peu robe avec des poches sur le côté et qui s'ouvre ici. Donc moi, je la laisse ouverte jusque-là en fait. Vous avez des petites manches semi qui arrive un peu sur le haut de l'épaule avec le petit rappel du bouton. Donc ça, j'ai eu ça chez CEA, il me semble. Oui, c'est ça, chez CEA. Donc elle est toute en lin. Donc elle est quand même relativement longue. Donc ça, avec un petit legging et puis soit des petites ballerines ou alors des chaussures compensées, ça va être très très sympathique. Ensuite, je me suis trouvée, donc toujours chez CEA, je me suis trouvée une petite robe qui se présente comme ceci. Donc vous avez un détail en dentelle sur l'arrière. Elle est juste cintrée en fait sur le là et elle part en volant. Pas évident à faire voir. Hop là. Elle part en volant. Elle est quand même relativement longue. Donc quand il va commencer à faire chaud, ça va vraiment être très agréable. Et je me suis trouvée donc à Intermarché parce qu'à Intermarché, il y a souvent des vêtements moi qui sont sympathiques et qui me plaisent. Je me suis trouvée deux gilets en fait pour le matin. Parce que quand j'emmène mon loulou à l'école, il fait encore frais et un petit gilet, c'est pas trop mal. Donc c'est des petits gilets. Donc vous avez. Une impression un petit peu d'un là sur le col. Ce sont des manches longues. Ils sont juste fermés par un bouton ici et ça part un petit peu en loose comme ça, avec des manches longues. Et il y a de légères paillettes dedans. Donc vraiment très sympathique. Ça, c'est vrai que j'en suis ravie. Et je l'ai pris le même en gris. Donc je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est parti au lavage. Donc voilà pour tout ce qui est vêtements. Je n'ai pas acheté beaucoup de vêtements ce mois-ci. Et j'ai acheté deux sacs. Donc un sac qui vient du site Vente Privée, il me semble. Il y avait une vente privée Lollipop. Donc je me suis commandé ce sac-là, qui est un sac bowling avec une petite impression sur le côté comme ceci. Donc vous avez la marque Lollipop qui est écrit juste ici. J'ai adoré le fait le fermoir qui fait comme un porte-monnaie. Donc vous avez quand même de quoi ranger. J'ai mon organisateur de sac à l'intérieur. Vous avez une pochette et deux petites sections pour mettre le téléphone. Donc il est quand même relativement grand. Vous voyez, il y a de quoi mettre quand même dedans. Donc je ne sais plus trop combien je l'ai payé parce que alors, sur les ventes privées, il est tout en cuir. Il est vraiment très très joli. Et à l'arrière, vous avez du bleu marine, du bleu électrique qui rappelle les boutons. Donc je suis ravie, je ne le quitte plus. Et je me suis trouvée également à Auchan un autre sac qui est un vert turquoise. Ouais, hein, qui tourne, qui est quand même beaucoup plus foncé normalement. Je vois qu'à la caméra, il fait vraiment clair, mais il est un petit peu plus foncé. Et je l'ai payé 12 euros à Auchan, il était à moins 50%. Donc il a une grande pochette sur le devant avec du rangement. Vous avez une autre pochette sur l'arrière, encore avec du rangement. Et l'intérieur. Donc moi j'ai mis du papier bulle pour pouvoir lui donner la forme. Donc vous avez plein de fermetures. Vous avez une fermeture et deux grandes poches. Donc par contre, il n'a pas de hanche et il fait quand même. On peut le porter là sur l'épaule sans problème. Donc vraiment, alors 12 euros, je pouvais pas passer à côté. C'est pas possible de le laisser en rayon.
Voilà mes belles, donc pour ma boîte aux lettres du mois de mai, donc ce mois-ci j'ai été relativement raisonnable, j'ai pas acheté trop de make-up parce que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup beaucoup de make-up. Ceci dit, un haul Maquillaya ne devrait pas tarder à arriver parce que j'ai fait deux commandes suite à suite puisqu'il y avait des promos assez importantes par rapport à la marque N et à la marque Make-up Revolution. J'ai fait deux commandes suite à suite. Donc je pense que je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye!